Donc l'ennemi, le tour ennemi, donc va commencer par le déplacement des troupes ennemies. Enfin, d'affecter un ordre, plus particulièrement, c'est plus que déplacer. Enfin, on va attribuer un ordre à on va attribuer donc un ordre à des groupes ennemis. Alors, donc j'espère que l'on voit bien. Donc là, vous voyez Enemy Orders. Donc on va lancer un dé pour chaque groupe de trois forces qui sont dans la même zone. On va lancer un dé, voilà, avec, vous voyez en bas, avec un modificateur. Donc si les ennemis ont de 1 à 3 points de ravitaillement, on en enlève 1, enfin bonus de plus 1, etc. 4, 5, plus 2, moins 2, 6, plus, un bonus de 3 et 3 points en moins. Alors, il faut donc créer des groupes de 3. Alors, ces groupes de 3, on va les créer par nationalité et au hasard. Et ensuite, on va attribuer un ordre pour chaque groupe de 3. Alors, je me suis tout à l'heure trompé. Le pion scout permet de relancer le dé à ce moment-là. Donc, voilà, s'il y a un résultat qui ne nous plaît pas, on peut défausser un pion d'éclaireur pour relancer le dé. Alors, donc évidemment, ces groupes, on va les créer pour les troupes mobiles. Donc ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 pions. Donc voilà, je vais en faire des groupes. Bon, là, c'est peut-être hors champ, mais je les fais vraiment au hasard. Hein. Hop, voilà. Donc là, j'ai un premier groupe de 3 et j'ai un groupe de 2 ici. Hop, je vais enlever ce pion de bataille. Il ne sert pas. Ensuite, ici, j'ai un gros paquet. Oula. Puisqu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, hop. Donc, premier groupe de 3. Deuxième. Troisième. Et un qui est tout seul. Donc, on va jeter le dé. Les troupes ennemies ont 2 points de ravitaillement, ce qui veut dire que j'en enlève 1. Il ne reste plus qu'un seul. Et il y aura un bonus de 1. Alors, ça, on ne voit pas. 5. Donc 5, donc je disais 6, résultat de 6, enfin 5 plus 1, 6 pour ce premier groupe. Donc le déplacement sur l'échelle d'ordre nous dit qu'il y a un déplacement au hasard. Alors déplacement au hasard, en fait, on va attribuer une valeur à chaque zone adjacente. Donc par exemple, donc on est à Gênes, donc à Nice. 1, Turin, 2, c'est adjacent, 3, Marengo, et la dernière zone adjacente, c'est Gênes. Donc, 1, 2, 3, 4. Donc, je vais lancer le dé jusqu'à faire, on va dire que 1, 2, c'est 1, 3, 4, 2, 5, 6, 3, 7, 8, 4. Donc, c'est parti. Donc 8, 4. Et donc 4, j'ai dit que c'était Gênes. Donc ce groupe va se déplacer à Gênes. Il commence à y avoir du monde là ici. Hein. Ensuite, ici, ce groupe. Alors, je vais lancer un dé, mais le bonus, en fait, une fois qu'on a calculé le bonus qu'il y avait, ce bonus va s'appliquer à tous les jets de dés. Donc 2. 2 plus 1, 3. Donc 3, c'est hold. Donc hold, ça veut dire qu'il reste sur place. Ensuite, ce groupe de 3 ici.
10 plus 1, 11. Donc 11, il avance. Et il va avancer vers les troupes ennemies les plus proches. Donc ça veut dire ici. Ensuite, 1 pour ce groupe. Donc 1 plus 1, 2. Donc c'est ennemi held objectif. Donc il va se déplacer vers la zone tenue par des ennemis le plus proche. Donc là on a, pour aller à Turin, on a 1, 2. Et pour aller à Nice, on a aussi 2 points de déplacement. Donc dans ce cas, je vais choisir où est-ce qu'il se déplace. Donc je vais dire qu'il se déplace vers Marengo. Ça m'arrange, il n'y a personne. Ensuite, 3 plus 1, 4, hold. Donc là, ce groupe de 3 va sur place. Et ensuite, il m'est resté une unité seule. 9 et 1, 10. Donc 10, advance. Donc, il va avancer vers les troupes françaises les plus proches. Donc, on va le ramener ici, à Savona. Donc là, il va se passer une grosse bataille, puisqu'ici, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 troupes ennemies. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6 troupes françaises. Donc là, maintenant, on va résoudre les batailles dans tous les endroits où il y a des forces opposées. Donc ici. Voilà. Et à la fin de ces batailles, on calculera, on ravitaillera les ennemis. Donc, ça va être parti pour une nouvelle bataille. Je vous dis à plus tard. Donc, on commence la phase de pré-bataille à lancer un GD sur le brouillard de guerre. Donc, il n'y a pas de modificateur là au GD. Donc, 2, je gagne 2 points de ravitaillement. Et donc le nombre de tours sera de 3. Voilà. Donc maintenant on va calculer l'enveloppement de check, mais bon, c'est pas la peine. D'un premier coup d'œil. Et on va déterminer le nombre de plans de bataille. Donc là je vais faire exactement pareil que tout à l'heure, c'est-à-dire que. Je ne sais pas si c'est bien ou pas, mais comme j'ai de la cavalerie... Donc début de la bataille, je vais essayer de faire moins d'erreurs que les précédentes. Donc les troupes ennemies françaises ont été placées sur le champ de bataille. Donc on va démarrer le tour par tenter l'activation de l'inspiration de Napoléon. Donc je rappelle que c'est sweep, ça concerne des attaques, des éventuelles attaques de cavalerie qui contourneraient le placement des unités ennemies pour les attaquer par derrière. Donc il faut que je fasse un 3 ou moins. 2. Super. Donc ce qui se passe, c'est que je prends ma cavalerie. En fait, elle va faire une attaque en démarrant par les unités qui sont dans la zone de réserve et puis en remontant là. Donc elle va pouvoir faire, pour chaque pion de cavalerie que j'ai dans la réserve, je peux faire 3 attaques. Et ensuite, le pion de cavalerie rejoindra la carte. On ne pourra plus l'utiliser dans la bataille. Donc ici, je vais commencer par cette zone. Je vais commencer par les troupes les plus faibles. Donc c'est celle-ci. Et donc, je vais faire une attaque. Pour toucher, il faut faire 6 ou moins. Si je fais un 3, la cavalerie fait 2 touches. C'est parti. 1. Ça commence bien. Donc ça, c'est pour la première attaque. Donc je vais faire 2 blessures. Donc je commence par celle-ci, power line. Qui ont fait 2, d'ailleurs, donc face blessée, deuxième, elle est tuée.
Donc ça, c'était pour la première attaque. Deuxième attaque. Un encore. Donc c'est extraordinaire. Donc, première attaque. Ah, et là, on voit qu'il n'y a pas de valeur sur la face blessée. Ça veut dire qu'elle est tout de suite détruite. Première blessure. Donc, deuxième blessure. Ensuite, eh bien, on l'applique ensuite aux unités qui sont dans la zone suivante. Donc, ici, j'ai deux lines et deux power lines. Donc, c'est une des deux. Je vais choisir la plus forte, c'est-à-dire cette cavalerie, qui va subir la deuxième blessure. Et là, évidemment, qu'est-ce qu'on voit? Super encore. Elle est tout de suite tuée, celle-ci. Là, c'est un sacré carnage. Donc là, j'en étais à ma deuxième attaque, qui m'a permis quand même d'infliger 4 blessures. Et j'ai ma dernière attaque, 2. Alors là, c'est un massacre. Donc 2, et bien encore 2 touches. Donc 1 et 2, elle est tuée. Le pion cavalerie retourne donc à Savona sur la carte. Donc ça, c'était l'inside activation. Alors ça, quand ça passe, tout à l'heure, le précédente bataille, j'en ai réussi aucun, mais là, cette intuition-là est très très forte. Donc vous voyez, remove de 1 à 3 pions de cavalerie de la réserve, et on lance 3 attaques pour chacune, against rearmost, donc ça veut dire contre les unités qui sont en démarrant le plus loin possible. Donc maintenant, alors sélection des French Battle Plans. Donc comme je disais, je les ai déjà choisis, donc je les ai déjà affectés. Ensuite, draw a sign et an assign enemy battle plans. Donc ça, je l'avais déjà fait aussi tout à l'heure, mais bon, c'est pas grave, ça change pas grand chose parce que de toute façon, il y en a une qui a un plan de bataille qui a été détruite. Ensuite, on résout les enemy battle plans. Donc je vais faire ces deux, donc il reste celle-ci. Ça a été vraiment un massacre là, je m'attendais pas à ça. Donc, mais il faut dire que cette cavalerie là est très très puissante. Là, c'est étonnant d'ailleurs, parce que 6-3, bon, le 3 là en valeur supérieure qui inflige 2 touches, c'est quand même fort. Hein. Bon, donc, eh bien, on va résoudre ce plan de bataille qui est forward. Donc, si la troupe est en colonne, pas de jet de dés, elle avance. S'il y a une troupe française en ligne, à une zone, elle se met en ligne, c'est pas le cas, et ensuite elle attaque, bon, il n'y a rien à attaquer. Ensuite, cette cavalerie, eh bien, elle va avancer, c'est le plan de bataille par défaut. Et c'est tout. Si elle est en colonne, il n'y a pas de jet de dés non plus pour l'activité. Ensuite, on résout les plans de bataille français. Donc, eh bien, je vais résoudre Grapeshot, qui concerne les canons. Grapeshot. Donc, only canon et only fortification, on ne jette pas de dés et on fait une attaque à plus 2, plus 1. Donc ce qui veut dire que on touchera sur 7 ou moins, et si on fait un 1, ça inflige 2 blessures. Donc les canons, comment ça marche? Ils visent les premières troupes ennemies qui ne sont pas en mêlée, en remontant, c'est-à-dire de la zone de réserve française jusqu'à la zone de réserve ennemie. Donc bon, ici de toute façon c'est pas compliqué, ce sont ces deux. Elles sont toutes les deux du même niveau line, donc je vais choisir, je vais prendre la plus forte, donc c'est la cavalerie. Et donc il faut faire 7 ou moins. 7. Donc j'inflige une blessure à cette cavalerie. Elle est tuée directement. Voilà, et je défausse le plan de bataille français. Donc ce canon, il s'est activé. Ensuite, je vais tirer avec ce canon, donc il faut faire 4 ou moins. 7, donc c'est raté. Ensuite, je vais activer... Est-ce que j'active cette troupe? Non, même pas, puisque là, j'ai volé. Donc, si elle est en ligne, c'est pas de dé, donc j'aurais été obligé de lancer
Donc ensuite, ce sont des attaques, mais elle peut pas attaquer, il faut d'abord s'avancer. Donc le plan de bataille par défaut qui pourrait être appliqué, c'est marche, pour m'avancer d'une zone, mais là je suis pas pressé, je vais l'attendre de toute façon, et puis au prochain coup, je l'accueillerai. Donc, route... Ah oui, mais de toute façon, il y a une déroute. Donc, route check. Donc, valeur de combat, 5 plus 4, 9, et 8, 17, et 7, 24. 24 contre 5, donc 7 troupes est en déroute. Ce qui veut dire que maintenant, la seule chose qu'elle pourra faire, c'est... D'ailleurs, c'est peut-être mal joué, j'aurais dû avancer au final. Précédent coup. Oui, c'est vrai que c'est mal joué, parce que je savais qu'elle allait être en déroute. Donc autant appliquer un plan de bataille de marche, par exemple. Bon, on va dire que j'avais fait ça. Donc en fait, je fais marche pour cette troupe. Donc là, elle est en déroute. Ce qui veut dire que maintenant, la seule chose que pourra faire cette troupe, c'est un plan de bataille de retraite. C'est-à-dire reculer jusqu'à sortir du plan de bataille, à moins qu'elle soit détruite avant. Donc on avance le tour, le pion de tour, et on redémarre. Donc, eh bien, on va sélectionner les plans de bataille français. Donc là, je ne vais pas y aller avec le dos de la cuillère. On va tout de suite se débarrasser de ça. Donc je vais prendre plus pair, puisque j'ai droit à deux plans de bataille. Oui, j'avais acheté un plan de bataille, hein, c'est ça tout à l'heure. Je ne sais plus. Ah non, peut-être pas. Si, ah oui, je l'ai pas dit, mais j'ai acheté un plan de bataille. J'ai acheté un plan de bataille ? Non, je n'ai pas acheté de plan de bataille. Excusez-moi. Donc je n'ai droit qu'à un seul plan de bataille, puisque j'ai toujours gardé l'inspiration. Bon, admettons, c'est pas grave. Donc j'en prends qu'un seul, je prends engagement. Engagement que je vais affecter à celle-ci. Ensuite, eh bien, on va prendre un plan de bataille. Alors... Donc là, c'est un plan de bataille ennemi spécial. Donc, close ranks, ignore the first hit inflicted on the enemy. Donc, ça, je vais le garder. Et je pioche un autre plan de bataille. Donc, assaut. Donc, c'est le barreau d'honneur. Ah oui, mais non. Je sais pas si ça a marché, ça. Donc, ah oui, mais non, je fais une erreur. Puisque comme la troupe est en déroute, de toute manière, elle ne pioche pas de plan de bataille. Bon voilà, c'est bien de faire des petites erreurs comme ça en direct. Elle est en déroute. Donc le seul plan de bataille qu'elle va appliquer, c'est la déroute. Donc on active les plans de bataille ennemis. Donc déroute, donc retraite, elle recule. Et donc on applique les plans de bataille français. Donc je vais tirer mes canons. Hein. Donc premier, 1. Bon ben c'est parfait. Une touche. Face blessée, deuxième canon, 5, c'est raté. Ensuite, je vais activer celle-ci, donc engagement. Donc, s'il est en colonne, on ne jette pas le dé. Elle avance, elle se met en ligne et elle tire. Elle fait une attaque à plus 1. Donc, il faut que je fasse un 9 ou moins. 3 et touché. Elle est tuée. Et c'est une victoire sans appel. Très bien, c'est parfait. Donc, eh bien, je fais revenir mes troupes
sur la carte. Voilà, donc les troupes sont revenues sur la carte. Donc maintenant, on est toujours dans le tour ennemi. La dernière chose qui reste à faire, c'est le ravitaillement. Donc là, de la même manière que pour les troupes françaises, on va suivre ce qui est inscrit sur le petit cadre qui est ici. Et donc, on nous dit qu'il faut lancer un dé pour chaque ville ennemie qui est tenue. Et donc, on aura un résultat qui est de 1, on construit une fortification, 2, une garnison, de 3 à 6, il y a un renforcement, de 7 à 10, 3 points de ravitaillement. Donc, les villes tenues par les troupes ennemies, eh bien, il y a Génois. Donc, je vais lancer un dé. Donc 6. Donc 6. On a un renforcement. Alors le renforcement, on va attraper la tuile. Tuile de renforcement, je vais prendre au hasard. Donc là, il n'y a que des pions. Ah oui, alors, ce que j'ai pas dit, c'est que toutes les troupes qui ont été détruites dans la précédente bataille, toutes les troupes ennemies, on les met dans la tasse de ravitaillement, on les mélange. Ce qui veut dire qu'elles peuvent réapparaître lors de la phase de renforcement. Donc je vais prendre un pion que je vais placer dans la ville concernée. Hop, ah, voilà, c'est une troupe ennemie. Voilà, en plus pas des moindres. Donc elle va venir ici. Ensuite, on a Montua. Montua 1. Donc 1, c'est une fortification. Donc on va rajouter un pion, fortification, ici. Et la dernière ville, c'est donc Klagenfurt. Donc 6 également, on va donc piocher un renforcement. Voilà, alors là c'est une troupe, une petite troupe. Voilà. Et il me reste Milan également. Milan, pardon. Hop, 8. Donc là, 8, c'est 3 points de ravitaillement supplémentaires. Hop. Voilà. Et donc là, ça y est, on a terminé le tour ennemi. Donc, on vient de terminer un tour complet. Donc, pour le prochain tour, eh bien, on avance à ce pion sur mai 1796. Je le retourne sur la face bleue pour indiquer que ce sera le tour français qui va démarrer. Et donc, ainsi de suite, jusqu'à la fin de la partie. Donc, je rappelle que l'objectif dans cette campagne, c'est de tenir toutes les villes dans lesquelles il y a un objectif, un pur objectif français, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des troupes françaises sans troupes ennemies, donc il nous reste Milan à conquérir, Mantua et Klagenfurt. Et évidemment, il va falloir laisser des troupes françaises dans ces villes, donc au moins une troupe ou une fortification, ou voilà. Eh bien, voilà, donc j'espère que ça vous donnera, ça vous a donné une vue d'ensemble du jeu. Je ne vais pas continuer la partie, j'ai déjà pris pas mal de temps pour essayer de détailler les tours. Si vous avez des questions, eh bien écoutez, allez-y, vous pouvez les laisser dans le fil de commentaires de la vidéo, j'y répondrai avec plaisir si je peux. Et donc voilà, eh bien je vous dis à très bientôt pour un prochain jeu, une prochaine vidéo. Voilà, à plus !